YouTube, ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas vu, tu te souviens? On avait trouvé là où il fallait aller au bout d'une heure. Eh ben regarde, c'est maintenant. Incroyable. Oh non! Oh la tortue! Oh Tortugal, ma BZ! Casse tout, non? Hein. Je sens qu'il faut pas tout casser. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il faut pas tout casser. Voilà. J'avais bien le sentiment qu'il fallait pas tout casser. Oui, j'ai bien vu que t'avais joué à 50 milliards de jeux. Ah, c'est ça qu'il fallait qu'on achète des herbes. Parce que j'avais plus d'herbes. Il y a un truc derrière là. Par où il faut passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Là, il y a un caillou. Là, il y a un caillou. Là, il y a un caillou. Là, je brûle. Là, il y a un truc. Peut-être, je sais pas. Je pense qu'il fallait pas tout casser les cailloux. Et là, il fallait monter sur un caillou. Je m'occupe pas que t'étais pas là. Là, en fait, là, il faudra en casser qu'un seul. Mais ça casse les deux, putain. Ça casse les deux, putain. Et Alundra, fais un effort. Je t'en supplie, fais un effort, quoi. Saute par-dessus un caillou. Ça casse les couilles, surtout. Ouais, j'avoue. Tu vois ce bloc là, on peut pas en casser qu'un. En fait, ça se casse toujours par deux. Du coup, lui, je peux pas casser qu'un seul bloc. Ça casse forcément les deux. T'as le DLC? Non, elle a pas. Elle a même pas fait le jeu encore normal. Elle est bloquée au tout début. Elle a du temps. Elle a du temps. Attendez, parce que peut-être, je suis en train de me dire, peut-être qu'on pouvait juste aller plus loin là, non? Mais non, même pas. Putain, mais je sens qu'on est si proche du but, mais qu'il y a un truc que je comprends pas. Oh la con. Peut-être que si je prends un caillou avec moi et que je le jette par terre pour le poser, on peut pas les poser, cela il se casse automatiquement. Ça par exemple. Oh, oh la con de sa maman. Comment ça le caillou il s'est littéralement téléporté de l'autre côté? Dégage, toi, dégage. Il faut du fer apparemment, elle dit.
Elle raconte sa maman. Mais ça c'est pour repartir dans l'autre sens. Faut le mettre là. Ok. On avance. Balle de joue à Pokémon là. Oh le mec carrément il est comme ça, il va voir une meuf puis il lui dit quoi? Allez vas-y ouvre-moi ton port s'il te plaît. Tu peux ouvrir ton port? Vas-y Effia, ouvre-moi ton port s'il te plaît. Oh putain c'est la chute. Oh purée de pommes de terre. Ne te compare pas à moi. Oh là là. Non, je te regarde, Nova. C'est Mimi. C'est verrouillé. Je joue pas. Je joue pas Pokémon ? Putain, elle est tombée dans le trou, quoi. Ah, vous connaissez ma passion pour les trous, mais quand même. Pas à ce point, quoi. Pas au point de se jeter dedans, corps et âme. Attendez. En fait, je crois qu'il faut... Activer le truc, lancer une bombe. Je vous jure, je reste calme là, mais alors je vais pas m'énerver. Je vais faire quand même avec la cliente de cet après-midi. Tranquille. C'est quoi tranquille? Regarde, même pas je suis énervé. Même pas, je suis énervé là, regarde. J'ai l'air énervé? Arrête. Si je suis énervé, arrête. J'ai joué tout à l'heure avant de manger. Ah, t'as bien de la chance, hein. Moi j'ai pas pu. Hein. Hé, hey, casse-toi là. Le truc c'est que là j'ai envie de descendre pour aller voir ce qui se passe en bas. Mais si je descends, je sais pas comment je remonte après. J'ai pris le risque de descendre. Alors comment on utilise l'objet déjà? Aïe. Comme ça. Ah, sur la Switch, j'ai trouvé un cheat pour capturer des Pokémon. Que tous les Pokémon que je trouve, ils soient shiny. Bon, j'ai pas triché du coup, mais... Je peux même capturer les Pokémon des dresseurs adverses. Quand tu captures les Pokémon de l'adversaire, il y a écrit vous avez perdu le combat. Game over, il y a marqué. Et d'un coup, ça quitte le combat et t'as le Pokémon adverse dans ton équipe. Incompréhensible. Le jeu, il comprend pas ce qu'il fait.
C'est de la triche, ça. Bah oui, bien sûr, c'est de la triche. J'ai pas sauvegardé, c'était juste pour tester. Et pareil, tu peux avoir, tu peux créer n'importe quel Pokémon et tout, c'est n'importe quoi. Y'a un truc que je... Putain, je suis en train de me faire bolos depuis tout à l'heure, JPP. J'ai voulu sauvegarder, ça a fait charger la partie. YouTube, à tout de suite, on se retrouve dans la grotte. Ah c'est bon, voilà YouTube, on est revenu. Encore une fois, pour toi, il ne s'est rien passé, mais... Putain. Mais pour Twitch, on s'est régalé. On a passé un agréable moment. Je vous jure, hein. On a trop rigolé pendant que vous n'étiez pas là. Pendant qu'on retournait à cet endroit et qu'on vérifiait qu'on n'avait rien oublié. On s'est... marré. Attends, là il y a un truc bizarre parce que là ils me disent comme... Ah oui d'accord, ok, je viens de saisir. J'ai saisi, regardez. Je vais vous montrer que j'ai saisi. Vous avez saisi vous aussi? Est-ce que vous avez saisi? Oh putain. Attendez, d'abord on va aller voir ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, ça a l'air d'être la merde. Oh non, il est revenu lui. Oh le sac à foutre, il est revenu. Attendez. Empousse-toi. Là. Attention, si je passe ici, ici. Et là, regardez ça. Un coffre. De l'herbe, tu en as trop. Ah oui, parce que YouTube, ils ont pas vu, mais on a été acheter de l'herbe. YouTube. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Ça, on peut droit pour le porter. Superbe. On est bien avancé. Ça va être super. Aïe. Je passe à travers. Vous avez une clef. Je peux l'avancer. Bon, c'est peut-être pas ça la technique, mais on l'a bourré quoi. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'on a une clé. Mais est-ce qu'on avait une porte fermée? Ah oui, attendez. Tout à l'heure on a dit c'est verrouillé. C'était dans le trou. On y revient, hein. Toujours, hein, c'est foutu trou, hein. C'est ouf quand même. Hein. Trou. Mais frère, comment je fais pour monter? Et comment je suis pour monter? Là, je me souviens, il y avait marqué oh, c'est verrouillé. Putain, je me fais bolos. On a bien avancé là. Ça se casse ça. On va voir les palmes ou un truc comme ça, là. Oh non, merde. Est-ce qu'il fallait pas tout casser? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oula, j'ai peur. Ok, bah, je pense qu'il faut tuer tous les ennemis. Oh fuck.
Il faut juste éclairer les cristaux. Hop là, boum, les cailloux sur la tête. Il y a une fourberie là. Non. Elle donne son dodo code comme ça, elle. Dans le chat. Ah oui, ok, voilà. Là, il faut activer les diamants. On voit. Merde, j'ai gaspillé une potion, je voulais prendre des bombes. Ça se casse pas, ça. Donc là, il nous manque le jaune et le vert à désactiver. Donc il doit y en avoir... Oh là, pardon, c'est vous. Il doit y en avoir un qui était au tout début, là. Tout à l'heure, j'ai vu... Vu, là. Oula. Ok. Et voilà, la fin tous. Il fallait le taper avant. Ça me dit pas trop, c'est qu'on va devoir aller après Simfield des Palmes. Pas trop d'idées de... Il y a des monstres, il y a des monstres. Ouh là là, pousse-toi. Ok, 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 mais ok quoi, ok quoi, ok qui, ok quoi là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce que je comprends pas. Là, j'ai des pierres. Là, il y a rien. Il va falloir tuer tous les monstres. Ah purée, il fallait garder les pierres. Ok, c'est bon, j'en ai encore une. Je pense que quand je vais avoir tué tous les monstres, le truc il va tomber du plafond là-bas au fond. Et à ce moment-là, il faudra lancer une pierre dessus. Je suis quasiment sûr à 100% de ce que j'avance. Préparez-vous, j'ai raison. Regardez. Paf. Et là, maintenant, regardez bien. Je vais vous montrer comment on peut rater un lancer de pierre. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Donc là, normalement, on a tout activé. Il y a un coffre par ici. Ok. Donc, et normalement, maintenant, ici, je dois pouvoir prendre le téléporteur. Ok, cool. Ah non, carrément, ça m'a ouvert les escaliers, ok. Il va y avoir le boss, sûrement, par là. On va sûrement arriver au boss. Ok. 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 Faut quoi, juste les tuer, c'est ça? Le coffre tombe? Le coffre tombe pas. J'ai entendu un truc tomber par contre. Ok, il est en train de t'interrupteur là-bas. Clique. Oh, pas vous! Me cassez pas les couilles, me cassez les couilles. Hop! Allez. Hop. Oh les pires. Oh les pires! Oh, il y a de la vie par terre. Vite avant que ça disparaisse. Ok. Et le dernier. Oh là là. Oh, les juges et les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille.
Allez, là, le coffre. Voilà, ça qu'on vend. Les palmes. Des bottes Triton. Vous pouvez désormais marcher dans les eaux profondes. Enfin, nager dans les eaux profondes. Et donc, du coup, effectivement, prochain arrêt. Prochain arrêt. Il faut qu'on aille. Donc, du coup, là, on était tout à l'heure. Chez les hommes lézards. Là où il y avait l'eau et où on pouvait pas aller. Mais avant tout, avant toute chose, testons nos bottines. Les bottines. Testons les bottines. Un cœur. Merde. Testons les bottines. Oui, mais c'est... Alors par là, tout à l'heure, il y avait un autre endroit où il fallait qu'on nage. Oh, vous vous rendez compte, tous les nouveaux endroits où on peut aller maintenant, qu'on pouvait pas aller tout à l'heure. Oh là là. On va devoir traverser toute la carte pour se souvenir de partout où on pouvait pas aller. Qu'est-ce qu'il y a ici d'ailleurs, tu vois? Oh, je me trompe de bouton à chaque fois, c'est, ça me rend fou. Il y avait un endroit juste en haut, non? Je me trompe. Il me semble qu'il y avait un endroit au-dessus où on pouvait aller en... On avait besoin de ça pour y aller. Il me semble. Ah oui, voilà. Je savais bien qu'il y avait un... Oh fuck. Mais je vais pas aller si loin. Donc j'ai pas compris là. Ah mais là-dessus on peut marcher. Donc ça veut dire que là, là il y a une zone où on peut marcher ici. Ah non. À quoi servent les troncs d'arbres en fait? Attendez, à quoi servent les rondins? Ah putain, G. Vous avez dans le chat ou pas? Ou ça joue tout le monde joue Animal Crossing sur mon stream? Pendant que je stream. Et pire. C'est dans Zelda. Tout le monde joue. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup de votre aide. Hein. Tout le monde joue. Hein. Que je vous montre comment on fait, moi. Je vous montre comment on fait pour jouer, regardez. Je vais vous expliquer comment on joue. J'ai pas lu et pas entendu. C'est dans Zelda. Oh, je me fais cracher dessus. Qui est arrivé sur mon île. Mais ce que t'as dit avant, je sais plus. Je sais plus. Je dis tellement de choses que... Mais... Merci. Attendez, mais je dois en faire quoi de l'herbe là? Attendez, qu'est-ce que je dois faire de l'herbe? Shadow, coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et comment c'est que tu es là? Tu dors pas, toi? Non, c'est le week-end.
This is the weekend. Comment est-ce que tu vas? Comment se passent tes cours? Bien, j'espère. D'accord, ok. Pas trop dur. Ouh là là, on a fait un petit dash dans les picots. Une petite frayeur. Hein. Oh, double kill. Comment va notre cher Shadow? Ça va, ben, un peu fatigué parce qu'on a eu une journée un peu épuisante au travail, mais bon, ça va dans l'ensemble. Malgré tout, ça va. On n'a pas à se plaindre. C'est verrouillé. On a connu pire. Oula, il l'a envoyé à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu racontes de beau en ce moment? À quoi tu joues? What are you playing? What are you playing? Oh purée. Alors la 3D du jeu. C'est compliqué. On a une clé mais il couvre quoi? Ah bah oui, je t'avais, il y avait une porte. Il y a un truc là-bas. Sauter trop loin. J'ai sauté trop loin, pourquoi? Parce que bien sûr, on voyait pas mon ombre. Vous voyez, l'ombre, on la voit vraiment au dernier moment. Je ne joue plus à LoL. J'ai remplacé par Valorant. Alors lui, il remplace un jeu qui prend beaucoup de temps par un autre jeu qui prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il monte pas? Parce qu'on est pas pile en face. Ah, beaucoup de jeux en ligne alors du coup, tu fais que des jeux en ligne. Tu jouais pas Rocket League par le moment aussi? Bien que tu joues à Rocket League, non? Non, mais comme j'ai un talent incroyable pour les FPS, tout va bien. Moi, les FPS, je suis un peu nul. Il y a longtemps, j'étais très fort, j'étais dans les tops, dans les compètes et tout, mais c'était à l'époque de Medal of Honor, le premier, quoi. Vous étiez même pas né, je crois. C'est dire. C'est dire à quel point c'est vieux. J'avais 12 ans à l'époque. À l'époque, on jouait, on faisait des trainings en écoutant. Vous savez ce qu'on écoutait à l'époque? On faisait des trainings sur Medal of Honor. On écoutait la musique de Beyoncé. Je me souviens, c'était là. Il y avait Beyoncé avec Jay-Z qui avait sorti leur chanson. C'était quoi la musique de Beyoncé et Jay-Z? Où ils chantent à deux. J'avais 12 ans. Pas compliqué, j'avais 12 ans. J'avais un vieux PC, j'étais assis par terre quand je jouais. On faisait du training sur Medal of Honor. Ah merde, on a mis trop de temps. Comment c'était la musique de Beyoncé et Jay-Z? Je me souviens plus. Vie. Excellent, un serveur Minecraft avec des potes. À Minecraft, il y a aussi de quoi faire.
Si vous faites du, si vous faites vraiment un serveur normal avec vous allez farmer tous les trucs et tout, y a de quoi farmer pendant un moment. Sur une course à l'espace. Mais pourquoi vous jouez pas plutôt à l'autre jeu là, comment ça s'appelle Comment s'appelle le jeu, c'est qu'il faut faire le jeu en il faut jouer en un mois, sinon après le serveur vous mourrez tous. Comment s'appelle ce jeu déjà? Il y en a Naofae qui jouait je crois à ce jeu là. C'est genre comme Minecraft. Dans l'idée quoi. T'as des métiers dans. Il y a des gens qui peuvent être bûcherons, boulangers et tout. Et en fait le but c'est que sur le serveur tout le monde se mette d'accord pour pouvoir pour améliorer les technologies du serveur pour à la fin sauver la planète d'une météorite ou je sais plus quoi. Fantasy je crois qu'il connaît, il lui en avait parlé. Echo, voilà c'est ça, c'est Echo. Parce que là, tu dis que tu fais la course à l'espace, mais dans Minecraft, mais il n'y a pas de course à l'espace dans Minecraft. C'est quoi? C'est un mode que vous avez? J'imagine. Et puis, elle a des mouchoirs à côté de son lit. Ah bon? En plus, c'est même pas vrai, elle n'en a pas. Galacticraft, ah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout ce mode. Je suis pas un expert après, malheureusement. Mon ami est fanat de l'espace. C'est intéressant l'espace, moi j'aime bien aussi. Hein. Dans Animal Crossing, si. Ah! C'est quand même étonnant de mettre des mouchoirs à côté de son lit. Pour quelle raison? Demande-lui pour quelle raison elle en a mis. Il en parle tout le temps. J'ai raté quoi là? Ton île elle est finie ou pas? Aïe aïe aïe, les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent. Eh ben. Le sujet qui fâche. Elle était finie presque, mais finalement. Où est le problème? Y'a pas de problème, il demandait pourquoi. Et pourquoi faire? Mais qu'est-ce que j'ai raté là? Ça il faut forcément... Oh le con, oh le con. Ok ça va. Bah merde. Ah! Alors qu'en fait... Il suffisait de casser un boulet. Pour monter dessus. C'est pas compliqué. Tu verras demain Nova, elle est trop belle maintenant. Bah elle était bien avant aussi quand même, t'as fait plein de choses. En vrai de vrai. Ben je sais pas. Bah, tu sais pas. Bah si tu devrais savoir, t'as pas mis ça au hasard. Hein. C'était mai avant. Bon non, ça, bon, ça a lieu. Bah moi j'aurais pas fait comme ça. Comme t'as fait. Mais après... c'est ton île. Hein. Les goûts, les couleurs quoi. La porte sur la gauche s'est ouverte. Il y avait une porte à gauche. Prison. Non mais je te fais confiance et que t'as fait un truc sympa. J'ai mis ça au hasard. Bah c'est quand même un sacré hasard.
C'est quand même un sacré hasard. Les hasards de la vie, quoi. Bien connu, hein. C'est verrouillé. Ah ouais, super. J'ai mis des mouchoirs à côté de mon lit en déco au hasard. Sûr. Ouais, donc son île apparemment, bah, elle avait bien avancé avant qu'il recommence tout, et apparemment là il a re-bien avancé, mais bon, il a pas fini quoi. C'est le cercle sans fin. Attendez, on a deux endroits où aller, je sais plus où aller là moi. Oh non, mais il y a du monde partout là, foutez-moi la paix. Ah, peut-être que si je casse le truc au bon moment. Attendez. Ça leur fait pas de dégâts. Je l'ai écouté. Il est parti. Il avait marre de s'occuper de ton île apparemment. J'aimerais bien qu'on finisse ce donjon quoi, pour la VOD là, Ça tourne. Allez, bam dans mon cul. Donc là si je comprends bien, il faut que je casse ça. Alors on va sauvegarder, attendez. Parce qu'on va faire n'importe quoi. Là. Exactement là, c'est exactement là où je voulais. Bon, ça a l'air pas trop mal là, non? Tu as donné plein de petits trucs. Le cœur sur la main, ce Fantasia. Il a le cœur sur la main. Putain, c'est trop loin. Il a le cœur sur la mano. Eh, parfait, exactement là où je voulais envoyer. Maintenant. Alors là, c'est pas trop mal, là. Ça m'a l'air pas trop mal. Et là, regardez, pile poil. Pouah, là. Moi, je sais jouer avec les boules. Vous avez vu comme, quand même cette précision avec mes boules? Une précision digne d'un professionnel. Faut que je prépare le terrain pour demain. Le terrain de quoi? Le terrain... Faut que tu prépares le terrain avec qui? C'est ça la question. Avec mon île. Préparer le terrain avec son île. Comment je fais pour sauter là-dessus? Je peux pas. C'est trop loin. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Oh le con. Oh non. Oh non, me dis pas ça. Oh Jean-Michel, me dis pas ça. Ça m'emmerde. Ça y est, ça m'emmerde. Fais les petits sauts, fais les petits sauts. Ça, mais on a déjà. Non, mais demain, tu peux le faire demain, ça aussi. Pendant que tu joues demain. T'es pas obligé de le faire maintenant. Donc, Shadow sur Valorant, du coup. Je connais pas trop. Enfin, Valorant, j'ai déjà vu quelques streams, mais j'ai jamais.
En tout cas, je remarque qu'on m'avait toujours pas dit le titre de la chanson de Beyoncé et Jay-Z, hein, qui chantait quand j'avais 12 ans. Sinon, je perds 3000 ans. D'accord. Qui était le titre de la chanson de Beyoncé et Jay-Z? Crazy in Love. Ah oui, c'est ça. I'm a fan of the band, the white night, the fan. I'm a fan of the wind in my eye. I'm a guy to get a bit in. Get a one and a friend again, crazy in love. Oh, 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 oh. Je la connais par cœur. Je l'avais apprise au collège. Je m'en souviens comme c'était hier. Vous vous en souvenez aussi ? Mais fuck ! Voilà, bah, je vois, c'est Crazy in Love, quoi. Oh, tu vas te calmer le cul, hein ? Je suis obligé de l'écouter maintenant. Oh, 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 oh là là. C'était la folie. Gigi ! Alors, quel était l'intérêt de faire ça? Je ne sais pas. Ah, c'était de la bonne musique, ça. Non, mais là, on est d'accord que j'ai pas trop le choix. Je suis censé aller là-dessus. Qu'est-ce qu'il a envoyé à Shadow? Crazy in Love. Je peux pas la mettre, hein. Sinon c'est le ban Twitch. Ben voilà, il suffit de sauter assez loin. Promis, c'est bien. Il faut que le modo nous dise. Une clef. Parce qu'on le connaît, Shadow, il va nous envoyer une vidéo de mec qui pète. Ne cliquez pas. Ah bah apparemment... Apparemment, en fait, Did a dit mauvais bail. Hein. Ça doit être un troll, non? Un troll musical ou qui nous casse les oreilles. Tu penses au moins que je ferais ça? Oui. Moi, j'y crois. J'y crois, moi. Du coup, ça me dit à l'avance que j'ai été gnomed, donc je peux pas, je clique pas sur la vidéo. C'est le plugin. Le pugling. J'ai un plugin. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. C'est Franker Zid. Frank Zid. Le chien. C'est le chien. Le petit chien. Pour avoir les émoticônes en plus. C'est du shit. Zig et Charcot. Qu'est-ce que c'est ça? La prison. Cette série de morts. C'est une série? Zig et Charcot. Ça me dit rien. Y'a que moi qui connais pas, c'est ça encore? C'est un dessin animé? Mais c'est récent comme dessin animé? Je
Je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. C'est un peu comme Tom et Jerry ou Guy les cafards. Ah, excuse-moi, mais Tom et Jerry ou Guy les cafards, c'est pas le même niveau, quoi. Qu'est-ce que j'y vais là? J'appuie sur un bouton et après, qu'est-ce que je fais? Un truc qui court après. Ouais, d'accord. Pour guider les cafards, jamais aimé. On m'a toujours saoulé. Je comprends pas, qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé courir sur la pierre, c'est ça? Je préférais les zinzins de l'espace. Zin, zin, zin. Je préfère les zinzins de l'espace. Oh, le copieur! Oh, le copieur. C'est un copieur. This is the copieur. En fait, je fais quoi? Je monte sur la pierre, c'est ça? Ah oui, mais je peux plus monter sur la pierre maintenant. J'ai rien compris. J'ai envie en même temps que tu l'as dit. Ouais, j'avoue que là... Oh, allez! Oh, j'arrête la pierre avec mon corps. Je suis solide. Comme un rack. Je suis comme un rack. Ah, j'avoue qu'on l'a dit en même temps. J'avoue que quand je l'ai dit, j'ai vu ton message dans le chat à un moment où je l'ai dit. Comme un rack. Arrête de me foutre des chansons dans la tête de merde. Ah ouais, mais désolé. C'est les références. Hein. Les références de vieux. Hein. Alors, va-t-on arriver à la fin de cette grotte de mort? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Un voleur, infidèle. Tu regretteras d'avoir songé à fouler ce sol sacré. Désormais, tu le regrettes. Tu vas s'emparer de tes pensées. Et ton âme sera destituée de ce qui lui reste de vie. Ah, putain, ça fait flipper. On dirait la tête d'Alien dans X-Files. Ah, oh, je suis la terreur des mers. Le PNG de l'eau. J'avoue que ouais, c'est un peu... Il fait flipper quand même, hein. On est vite. Attendez. Parce qu'on n'oublie pas que moi, de mon côté, quand même, depuis le temps, j'ai quand même... J'ai pris quand même des... J'ai l'épée qui est plus haut niveau qu'on ne devrait pas avoir. Merde. J'ai l'épée plus haut niveau qu'on ne devrait pas avoir. Ce qui signifie que mon épée, normalement, elle est plus puissante que le truc. Regardez ça. Il résiste à rien. Alors. Moi, c'est pas moi. Vous allez voir, quand il va ressortir de l'eau, on va le goumer. Vous êtes prêts? On va le goumed. Oh la goumed. Oh, ça se moque. Il se moque, hein. Oh mais arrête de gaspiller des potions pour rien, sac à merde. Oh non, vite! Comment tu l'as cette épée? Je l'ai eu dans le désert. Parce qu'en fait, je suis allé dans le désert parce que je me suis perdu. Et du coup, on a l'épée plus forte. Mais je crois que le désert, c'est un peu plus tard le moment qu'il faut y aller. Et du coup, on a l'épée forte. L'épée qui fait, qui brille. Bam! C'est comme Zelda. Oh, l'esquive. Bravo. Choupé dans le cul. Choupé dans le cul. Hop, 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 hop. Allez, sors de là. Sors de là. Bravo. Lui a cassé ce gueule. Cassé ce gueule. Hop, 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 hop. Putain, mais l'esquive, là, l'esquive. Y'a pas comme ça, Zinedine. Viens, viens.
Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, il y a la musique qui fait peur, mais... Franchement, la tête dans l'eau, elle fait quand même vachement flipper. Hein. Franchement, moi, si j'avais eu... Je me souviens pas petit, mais... Mais franchement, tu joues à ça, gamin. Tu tombes sur un boss comme ça, avec une tête comme ça dans l'eau qui te fait ça, mais frérot, tu flippes pas de ouf. Et ne sortez pas, vous faites les vaillants. Hein. Quand vous avez 10 ans, vous voyez ça, je pense que vous faites pas les malins. Marcher dessus. Oh, arrêtez-vous, hein. Faites pas les vaillards avec moi. Hein. Putain, on l'a raté. Oh, le con. Non, faites pas les vaillards avec moi. Hein. Parce que je suis sûr que c'est comme moi, vous aurez flippé aussi. Merde. J'ai fait le bien regardant mon frère jouer à Zelda avec Skyward Sword. Qu'est-ce qu'il y avait dans Skyward Sword qui t'a fait peur? Skyward Sword, c'est dans le ciel. Il est pas très dark comme jeu. Si? Moi, je voyais plus, par exemple, comment il s'appelle, celui dans le... La 3 épreuve de l'enfer, je me souviens. Après, je l'ai pas fini entièrement, moi, je me suis arrêté dans le désert. Pas saoulé après le jeu. Majora's Mask fait flipper, ouais. Un qui peut faire peur un petit peu, c'est aussi avec le loup. J'ai plus de potions. J'ai déjà habitué New World, mais pas du tout. Toilette princesse, ouais. Toilette princesse, il peut faire flipper un peu avec l'autre, là. Midori. Puis il est vachement plus dark, quoi. T'as pas l'épée et toi qui te cours après. Ah, je me souviens pas. Je crois que j'ai peut-être pas fait ça, ce truc là. Midona. J'ai dit quoi? Midori? C'est après le désert. Bah, du coup, je me suis arrêté. Juste avant le désert, je me suis arrêté. Merde. J'ai dit le chat en même temps, du coup, j'évite rien du tout. Ah, du coup, ouais, j'ai jamais dû le faire. Midona. J'ai dit quoi, moi? Midori, je crois, j'ai dit. Et je pensais à Mokona, qui n'a rien à voir, qui est dans un manga. C'est notre faute, maintenant. Non, c'est pas de votre faute, c'est moi qui lis le chat. Jamais il veut mourir. Tan 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 tan. Voilà, tricher un peu avec les safe states, mais bon. Lui, en vrai, en prenant ton temps tranquillement, tu peux le faire. Châtaignez que tu tues de l'eau avec une épée. Bien vu. Le guetteur dans l'eau a été vaincu. T'as jamais coupé de l'eau avec un couteau? Ben, t'as raté ta vie alors. Libérateur! Libérateur! C'est toi le libérateur dont Lars a parlé. Je sens le pouvoir qui te traverse. Je suis Vul, l'un des sept gardiens. J'ai vu ton pouvoir et je pressens que tu seras un jour assez fort.
pour anéantir Melza. Cependant, en attendant que ce jour arrive, je ne peux pas prendre à la légère la menace que représentent les Murg dans leur croisade. Ah, les Meporg, c'est les Meporg. Leur croisade pour rétablir Melzas dans ce monde. Ils ont déjà volé l'armoirie que tu recherches. Ah, je te remets donc l'unique pouvoir que je peux encore transmettre, le pouvoir du rouleau d'eau. Certains biens libérateurs, tu dois récupérer l'armoirie volée. Rends l'argent. Rouleau d'eau. On peut se rouler sur le dos. Faites attention. Ah, passe par ce chemin pour retourner au monde extérieur, libérateur. Au revoir, l'élu. Procède par étapes afin de gagner la force nécessaire pour affronter Melza. Au rouleau d'eau. Le rouleau d'eau. Alors, ça fait quoi le rouleau d'eau? Vous voulez qu'on voit ce que ça fait quoi le rouleau d'eau? Attention, vous êtes prêts? C'est du jamais vu. Attention. C'est parti. Ça me soigne. Ça me soigne et puis il y a un truc qui me tourne autour. Pour des gens avec de l'eau. C'est comme le tourne d'eau. C'est un peu comme le tourne d'eau mais en rouleau. Le rouleau d'eau. Ah non mais attendez. Avant de partir, y'a pas le truc à ramasser là? Non. Y'a rien. Yarine. Yarine. On va les soigner d'abord. Hein. On n'est pas des sauvages. Hein. On peut pas. Non. Envie de canet. Bon ben, pas le choix. Bon Shadow, il nous dit bon. Est-ce qu'elle dissout hein? Oh non, on est coincé. Ah, Shadow qui devait là, bravo Shadow. C'est bon. Je devrais rattraper mon sommeil. De toute façon, on va pas tarder à se quitter là. Moi, je vais... On va retourner à la ville. Coincède. On se fait coincède. On est pas loin de la deuxième fin de VOD là. Il y avait quoi là-dedans? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais... Ça fait quoi fortifiant déjà? Ça fait quoi fortifiant? Oh, ça rend la vie, parfait. Une très bonne nuit à toi aussi Shadow. Merci beaucoup d'être passé. Des bisous, repose-toi bien. Et bon courage pour demain du coup, selon ce que tu as à faire. Et bisous. Bisous. À très vite. Et du coup, maintenant, il faut la souvenir pour la prochaine fois. Des devoirs. Ah, toujours des devoirs, c'est hein, la base. Souvenons-nous pour le prochain stream sur Alundra, que étant donné qu'on peut aller dans l'eau maintenant, vous voyez comme là, ils vont les poissons. Oh, d'accord, c'est des poissons. C'est des poissons, quoi. Des bibis. Oui, du coup, maintenant qu'on peut aller dans l'eau, il va falloir qu'on aille voir les hommes lézards. Il faudra qu'on aille dans le trou, les amis. On va enfin aller dans le trou. Qui lui cru qu'on réussirait à aller dans ce trou un jour? Ah, d'accord, regardez, il y a un bug. Là, on peut. On peut marcher. Le prochain là dans 2 mois. Oh, ça parle mal. Pff. Ça parle mal quand même. C'est inacceptable. Inacceptable.
C'est toi là. Non, c'est inacceptable, monsieur Fantasy. À me rouler dans la sauce comme ça. Normalement, ça sera avant. Possiblement demain. Mais j'avoue que là, de toute façon, pour moi, la période là, jusqu'à janvier, en fait, mi-novembre, de mi-novembre à début janvier, c'est une période qui est très très compliquée pour moi. J'ai des journées vraiment très très fatigantes, très longues. Je travaille les dimanches. Donc j'ai qu'un jour de repos par semaine, donc souvent je stream pas ou je fais rien d'autre que dormir quoi, me reposer parce que... Parce que c'est très fatigant quoi. Ah oui, je me souviens d'ici, regardez, vous allez voir. Là on peut tricher du coup, parce que comme on peut sauvegarder dans le jeu, on peut tricher. Super, du lait froid. En fait, ici il y a un truc secret, il y a un passage secret pour jouer à la roulette et tout. Et on peut gagner de la vie en plus. Ah, mais on peut pas y aller pour l'instant. Ouais, il me troll parce que je suis un gamin. On peut pas y aller encore. On peut pas y aller. Non, c'est pas possiblement. Demain soir et c'est tout. Oh là là, Sully lui aussi s'y met à m'engueuler, à me donner des ordres. Je sais que c'est quoi, demain c'est ma seule journée, je vais me reposer. Après je me tape une semaine de ouf quoi. C'est pour ça. Je ne sais point exactement. On va retourner en ville et on va sauvegarder. C'est quoi cette maison à côté déjà? Ah oui, c'est la mine, ok, d'accord. Moi, tu passes me voir. Oui, ça bien sûr, ouais. Oui, passer sur ton live, j'y passerai. Je vais voir ta ville de Animal Crossing. Ça, c'est sûr. Vous auriez pu passer avec Efia. Mais en fait, Akisha, elle prétend que Gilles a dit des choses troublantes. Mais j'ai quasiment pas été sur mon ordi ou mon téléphone, quoi. J'ai regardé aucun stream, j'ai vraiment... J'ai plein de choses à faire. J'ai même pas allumé mon PC de la semaine ni rien. J'ai jamais sur mon ordi. Oublié. Mais non, je voyais des notifs. Hein. Mais non, il est tard. Non, je voyais les notifs et tout, mais c'est juste que j'avais pas le temps quoi. Je bossais la journée, le soir après, Fia elle me disait ouais, viens, on va là-bas faire visiter ci, faire visiter ça, on fait ci, on fait ça. Après, bon, je voulais dormir aussi. C'était une sacrée semaine, hein, j'étais épuisé. Qui c'est qui m'a dit d'aller voir Kisha? C'est qui Kisha? Oh, les noms des gens. C'est Verrouillade.
C'est chez Gilles, ça. C'est Gilles. Attendez, mettre un coup de turbo. Si je mets un coup de turbo, on pourra parler à tout le monde rapidement. Il n'y a plus Klein. Mais non, je t'ai pas oublié du tout. Ah, il est là, regardez. Si cette fille peut entrer dans les rêves comme toi, il est dommage qu'elle ne soit pas venue plus tôt. Elle, au moins, elle aurait pu sauver la vie de Nadia. On va niquer ta mère. Elle prétend s'appeler Meia. Mais j'ai jamais entendu de nom aussi étrange auparavant. Ah oui, elle est comme nous. Une voyage est arrivée au village à Londra. Elle prétend posséder le même pouvoir que toi. La connais-tu? Elle est comme nous. Mec, t'es pas le centre de l'univers, ok? Si j'avais réagi plus tôt, peut-être que Nadia n'aurait pas subi cette mort affreuse, je t'en veux toujours. Frérot, vous arrêtez-vous un peu. Sois patient, c'est tout. Ah, Bonner. Sac à merde, Bonner. Petit coup de turbo là, parce qu'il faut qu'on vise toutes les maisons, on n'est pas sorti de l'auberge. Sur lui, attends, c'est un coureur de jupons. T'as qu'à t'occuper de ton mec là. Pas moi de t'occuper de ton mec. Hein. C'est verrouillé. Super, c'est verrouillé partout, c'est verrouillé. Parce qu'on est très occupé cette semaine avec Nova. Bah oui, t'as pas arrêté de faire le tour du monde. Je voulais faire ci, je voulais faire ça. Après je travaillais. Après j'étais fatigué. Qu'en faire? Mais sont où les gens là? D'après mes informations, cette fille est à peu près de ton âge, l'as-tu vu? As-tu vu que je me tiens à distance à cette nouvelle espèce de plouc qui a bien besoin d'une vatnik? Poète, 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 poète. Oh la musique, en x4. Bah, je crois qu'on a vu tout le monde. Hein. Je sais pas qui c'est qui chat. Bah, en faisant, Mira a subi un choc et s'est effondré. Je crois que j'aurais réagi pareillement si j'avais subi une perte tragique, mais hélas, c'est pas tout. Une jeune fille est venue au village prétendant avoir les mêmes pouvoirs que toi. Ça me semble évident, mais tu devrais t'y rendre et découvrir ce qui allait. Il vrai qu'elle possède vraiment ses pouvoirs. J'y suis allé, mais ils veulent pas me le faire entrer. Ah si, ça y est. Maintenant, on nous laisse rentrer. Ouais, voilà. Parfait. Ouais, YouTube, alors, rendez-vous la prochaine fois pour qu'on découvre qui est cette nouvelle demoiselle. Des bisous.